Et salut à tous et à tous les gamers, comment allez-vous? Moi ça va très bien, voilà, c'est Duxos, moi ça va super bien aujourd'hui. Donc on repart pour un nouveau Let's Play 2.0, on va dire ça comme ça. Donc je vais pencher et on va peindre le frère de Delsin. Et oui, parce que ce que vous avez à l'écran, c'est le frère de Delsin qu'on va taguer. Alors c'est pas grave, tu vois. Donc j'ai coupé le son de la manette parce que normalement tu entends, en fait, si tu mets le son de ta manette, t'entends le spray de la... de la motherfucker, de la belle, du tag. Donc c'est pas trop grave. De toute façon ça va pas vous gêner, vous inquiétez pas. Niveau audio et vidéo, vous allez vous régaler sur ce let's play. Alors ça n'a rien à voir avec le premier que j'ai fait, parce que le premier que j'ai fait était tout simplement horrible au niveau des premiers épisodes. Le tout nouveau, le tout beau, le magnifique, comme vous pouvez le voir à l'écran, est tout juste sublime et somptueux graphiquement, car ça y est, c'est enfin arrivé le nouveau Let's Play Infamous Second Son est en 2.0, est en 1080p, est en... Et il va défoncer, il va déchirer, je pense, hein, franchement, voilà. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers épisodes... Crime, tu peux toujours... Quelle merde. Ok, mon petit Delsin, réfléchis. Ah, la teuf à la grande maison. Je vais aller sourire au-dessus des petits fours, discuter, ce sera mon alibi. Eh mais je suis un vrai génie du crime. Voilà. Bon, donc... Pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers épisodes, c'est-à-dire jusqu'au épisode 5, c'était enregistré en 480p, transformé en 720, c'était ignoble. Et donc là, j'ai décidé de vous offrir du 1080. C'est juste moi, Betty. Sérieusement, tu veux bien poser cette agrafeuse, sans déconner? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement? Ouais, je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe, ça te va trop bien, vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit, Rien, mais... Tu faisais des bêtises? Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors... Tu ferais mieux de sortir, sinon j'appelle Betty et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière fois. La dernière fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi hein, les premiers épisodes, mais bon, je pense que vous devez le savoir. Tout simplement, graphiquement, il est juste merveilleux, magnifique, tout ça, etc. Enfin bref, on s'arrêtera de temps en temps histoire de regarder un petit peu les décors. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, j'espère que vous allez vous régaler. Parce que j'ai décidé... Je t'aime, liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Allez à la grande maison et montez un alibi. Donc voilà, tout simplement, j'ai décidé en fait de vous refaire ce let's play, tout simplement déjà par souci de rendu. C'est-à-dire que quand même, ça me chagrinait de vous offrir une vidéo de pas très très bonne qualité au niveau de l'image. Donc ça m'embêtait vraiment. Et donc maintenant que j'ai mon nouvel ordinateur, je peux vous proposer des vidéos vraiment de bonne qualité. Et je pense que voilà, t'as juste à regarder au niveau des graphismes et tout ça. C'est juste exceptionnel. Alors, pour la petite histoire, si je redémarre aussi, c'est parce que j'ai eu pas mal de problèmes. On va dire que si tu préfères, quand j'ai voulu record, eh bien enchaîner, si tu préfères, peut-être ouais. Aller, disons, nuit. 8 épisodes, tu vois, donc de l'épisode 6 à l'épisode 11, d'ailleurs comme ça je crois, j'ai attaqué le 11. Le problème c'est que le record a foiré et du coup tout le son, etc., des voix étaient décalées. C'était pas, c'est pas gênant en soi dans le jeu comme ça, hein, si tu préfères. Le problème c'est que les voix étaient décalées et que plus tard avec les pouvoirs et tout, c'était vraiment ignoble. Donc du coup ce que j'ai décidé, bah, c'est de tout virer. Et ben non, en fait non, j'ai pas tout viré. Si tu préfères, c'est que quand j'ai voulu sauvegarder, si tu préfères, au lieu de sauvegarder sur une autre sauvegarde, histoire de, tu vois, d'être tranquille, de garder un turn au cas où, quoi, d'avoir un petit retour,
Et bien malheureusement, j'ai tout simplement sauvegardé sur la dernière. Et donc du coup, ben, je me suis retrouvé coincé assez loin dans le jeu et j'ai pas pu vous proposer tout ça. Donc du coup, eh ben, on va juste enchaîner. Donc c'est juste pas voilà, pas on va loin. Se mettre par là. Voilà. Graphiquement les amis, le jeu de couleurs, etc. etc. Là, c'est le coucher de soleil. Graphiquement, c'est juste magnifique. Et donc du coup, ben, je me suis retrouvé un petit peu comme un con. La grande maison est à gauche, j'y suis presque. Pour être honnête avec vous. Donc du coup, ben, je redémarre le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas procéder comme la première fois. C'est-à-dire que la première fois, ce que j'avais décidé, c'était de faire mission bas, par mission, quartier par quartier, délivrer tous les quartiers. Le problème, c'est que ça fait des épisodes d'une quarantaine de minutes, mais avec pas trop de contenu au final, avec beaucoup de déplacements, etc. etc. Et c'est vrai que je peux comprendre que c'est assez chiant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du full mission principale. Et que en bonus, je vous mettrai les passages des missions secondaires. Hey, salut. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore? Et bon, peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore, encore et non, encore. Mais tu trouves ça drôle? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein? Tu crois que nos parents seraient fiers? Avec des actes de vandalisme. Écoute vieux, il y a un tas de trucs flippants dans ce monde. Et pendant que moi j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon tu don essaies un truc. D'exploiter ton talent, bordel. Mais de quoi mais est-ce que tu fais tout le temps ça? Non, explique-moi. Pourquoi tu me laisses allez, pas vas-y, dis-moi de quelle horrible. Si tu m'écoutais deux secondes, je pourrais t'expliquer. Ah ouais, parce que là j'y comprends rien. Reggie, quoi? Regarde. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser. Ne pas s'approcher du truc qui explose. Figé. Voilà, donc là, on a eu un petit accident, c'est-à-dire que c'est un véhicule du DUP, des méchants, c'est les méchants, on va dire, qui vient de s'éclater la gueule en face de nous. Et donc, du coup, bah, on me dit de pas fouiller, mais je vais quand même aller fouiller. Donc, il y a pas mal de... Vache, mec. Ah, merci. J'ai cru que j'allais y rester. Hé, hey, ça va? Merde, un flic. Hé, hey, lâchez-le! Allez, lâchez-le. Et gardez les mains bien en vue. Je veux faire de mal à personne! Je veux juste foutre le camp avant qu'elle rapplique. Je vous ai dit de le lâcher, sinon je vais tirer! Reg? Oh merde, non! J'ai dit que je voulais faire de mal à personne! Reg? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve Reggie. Voilà donc. Comment j'ai pu faire ça? C'est quoi ce délire? Donc Delsinro est en fait atteint porteur. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai! Et donc non la personne que vous avez vue juste à peine. Est un entre guillemets un bioterroriste et a le pouvoir de la fumée. Et donc se passe, bordel ben, tu te retrouves en fait comme un con à ne pas pouvoir gérer ce qui pas. Se passe. Il faut que ça s'arrête. Reg, Reg, faut vraiment que tu m'aides là. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand t'appuies sur rond, tu peux passer à travers quoi, mais c'est pas gênant. Donc, tu vois un petit peu à quel point il est gentil celui-là. Reg, tu vas bien? Delsin, c'était quoi ça? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là! Ouais, ok, c'est bon. Aide-moi à pousser! Alors, il y a pas mal d'interactions avec le pavé tactile. Tu vois, donc il faut que t'appuies avec tes deux pouces, genre... T'es à toi aussi. Non! Et donc du coup ça déboîte tu vois. Je peux pas. Reggie, ça s'arrête pas. Tout va bien. Ça va aller.
Allez, respire. Respire, ça va aller. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg. Je suis l'un d'entre eux. Non, non. Non. Tu es mon frère. Tu entends? Tu es mon frère. Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein, tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Ok. Ok, il faut qu'on y aille. C'était un bioterroriste, on doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord? D'accord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Ouais. D'accord? Ouais. Allez. Ça va? Ouais. On y va. Donc on va aller sauver un petit peu la tribu, on va repartir, on part avec Reggie. Donc Reggie c'est le frère de Delsin, c'est un petit policier, c'est la personne qu'on a tagué tout à l'heure, enfin en début de jeu, pour la petite histoire. Donc faut se rendre à la conserverie. Shérif, on peut pas rentrer, le bouton est pété. Je crois que Betty y est encore. Mais merde, le loquet a fondu. C'est fermé. Comment ils ont pu passer? Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Allez, c'est parti. On passe par là. Donc forcément, ne soyez pas choqués, en fait, si je cherche pas, c'est juste que celui-là, ce premier épisode-là, je l'ai déjà fait au moins trois fois. Donc du coup, tu taquines un peu, enfin tu t'as du... Ça doit faire mal. Donc là on va récupérer la petite chaîne histoire de pouvoir casser les bouts de bas et puis on va continuer, on va avancer, on va essayer d'attraper donc ce porteur, ce bioterroriste entre guillemets. Allez, ça va faire, je peux pas gâcher la surprise. Donc vous allez voir que là pour le moment en début de d'aspect, je vous dis, ne vous approchez pas de moi. C'est juste de vous aider, madame. Ne vous approchez pas. Stop. Delsin. Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça. T'es un porteur. Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici maintenant. Moi, je me casse. Pas avant de m'avoir débarrassé de ça. Passer le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs, merde, plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Et ouais, ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver, et même nous torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Il y avait cette foutue rouquine là-bas, qui aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc, ou entendre un truc, on apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette poufiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Je t'ai vu fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi, je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Hé, attends, attends! Je te préviens, gamin. Lâche-moi! Non, t'iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais toi aussi tu vas devoir disparaître. Pourquoi ? T'es devenu un porteur, fiston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des fuis ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers.
Tu ne bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça! C'est pas quelque chose qu'on peut réparer! Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler! J'ai pas le temps! J'ai le DUP aux fesses! Et elle sait que je connais son plan! Cette flambée va nous faire max 2, peut-être 3 minutes de diversion! Faut que je m'arrache, moi! Je retournerai pas en tôle! Écoute, mon vieux! Ceux qui vont débarquer viennent pour toi! Sûrement pas pour moi! On t'a vu, gamin! Les gens sont au courant! Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi! Bonne chance, Piston! Ah non! Je crèverai pas au milieu des tripes de poisson! Écoutez! Laissez-moi partir! Laissez-moi disparaître! Et personne ne saura jamais rien de tout ça! Non! Attendez! Attendez! On peut en discuter! Oh, Henri. Vous me décevez énormément. Bon! On l'a eu, hein? Pas vrai? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot, tout le monde, hein! Surtout vous, les gars. Bioterroriste. Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas? J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux. Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Confié? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Fait part de ses élucubrations au sujet de conspiration? Non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais... ce que je pige pas, c'est que... vous êtes une bioterroriste aussi, non? Ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et je vous le répète à mon tour. Rien du tout. Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête! Vraiment? Vous persistez? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis? Voilà les amis, donc bon, tout simplement, donc Hank vient de se faire tuer, hein, c'est cool le porteur, donc soit j'ai le choix de sacrifier la tribu et la tribu je partirai donc sur le côté obscur de la force, tu vois, qui me ferait partir sur le côté maléfique, hein, pour arriver à la statue d'infâme, et ensuite je peux partir aussi donc sur le côté de Hero, et je pense qu'on va faire ça. Tout simplement parce que bon, on avait démarré le let's play le premier sur ça et on va continuer pareil, c'est tout simplement.
quoi? Je vous dis que je suis un porteur, d'accord? Je viens de me choper il y a 2 secondes avec... avec ce type. Oh, tu l'as chopé. Très drôle. Rodelcy. Alors, Betty? Vous pourrez peut-être me répondre, vous. Oui, il paraît que ça fait mal. Voilà, bon, donc on a commencé, donc on a un point de karma qui va nous faire passer au niveau de protecteur. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là tout de suite pour le premier épisode. Bon, blablabla, vous le savez comment ça se passe. Le premier est toujours un petit peu chiant. Vous avez vu un petit peu du gameplay, la première prise de pouvoir avec le Mr. Rank, la mort de Hank, et donc le premier choix, le choix qui va me faire passer au niveau de protecteur. Donc, on va s'arrêter là. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode sur Infamous. Et attention, là, le prochain épisode va être bien chargé. Et ensuite, ça va bien bouger comme il faut. Vous inquiétez pas. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et bye bye. Et au revoir, mes petits canards. Ciao.